hauteur de carrière à 6, des éléments en plexiglas. C'était une arme redoutable. Tu as piloté également cette voiture au Tour de France automobile. Oui, c'est une voiture vraiment exceptionnelle. Il faut dire qu'il y en a eu 20 construites. Une toute petite série. Et c'est une Porsche en fait très allégée, 911 très allégée. Elle faisait 850 kg. 220 chevaux, moteur de carrière à 6, comme tu l'as précisé. Un empattement très court. C'est une voiture qui était très maniable, très ludique. C'est ce qui m'a permis de gagner le Tour de France et le Tour de Corse aussi, avec la même voiture que celle-ci que j'ai conduite à la Ronsapla. Alors celle-là m'avait été prêtée par un monsieur Camprubi à l'époque, et j'avais pu participer à cette Ronsapla. C'était vraiment un plaisir de conduire cette voiture. Merci Gérard. Effectivement, grand témoignage de ce souvenir de sport automobile. Moi, je me souviens, effectivement, j'étais déjà abonné à Sport Auto et je voyais ça et je rêvais devant les 911R. Je l'ai trouvé absolument sublime, sublime. Gérard, on va te donner un petit souvenir de ton passage au golf. Et on va demander à l'ensemble des adjoints de la ville de Saint-Raphaël de venir autour de Gérard Larousse, invité de marque cette année à Manuscure, pour remettre ce trophée et remercier donc Gérard. Il nous rend souvent visite parce que c'est un golfeur, mais dans le monde des véhicules, c'est la première fois qu'il vient à Manuscure, entouré de l'ensemble des élus, Gérard Larousse et Jean-Pierre Cornu. Merci à la presse d'immobiliser ce moment. C'était un moment fort de cette 21e édition. Ouais, vous pouvez l'applaudir très fort. C'était absolument exceptionnel. Et je peux vous dire que Gérard, eh bien, il pilote toujours remarquablement, puisqu'il court très souvent en historique au volant d'anciennes Porsche. Et... écoutez, si ça ronronne.